Avec Martin Seury de RDS. Martin, si je te demandais de regarder dans ta boule de cristal en termes de diffusion de contenu à court terme, qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion, la diffusion des contenus dans ce nouveau contexte multiplateforme? Oh, c'est une bonne question. Dans l'environnement dans lequel on est, comme j'expliquais en conférence, pour moi, c'est le secret est de trouver comment on peut jouer à l'intérieur de notre écosystème économique, et reconnaissant le fait qu'on travaille quand même avec les distributeurs ainsi qu'avec les annonceurs. Donc, on a quand même une source de revenus importante qui provient de la distribution. Donc, on doit trouver une façon d'ajouter de la valeur sur les plateformes numériques en reconnaissant quand même l'existence des relations d'affaires qu'on a. Ceci étant dit, ce que je vois à court terme, c'est un paquet d'opportunités sur différents styles de contenu qui tient compte du contexte, qui tient compte des plateformes, qui tient compte des différentes tendances comme le gaming et toutes sortes de tendances comme ça. C'est fondamental, c'est un très bon événement. C'est un environnement où il y a tellement de joueurs différents, que ce soit des producteurs multimédia, des joueurs en technologie, les diffuseurs, les acheteurs de contenu, ceux qui distribuent le contenu. Il y a tellement de gens dans cet environnement-là que je crois que plus souvent on les réunit, plus on voit les relations se faire.